Maghreb Orient Express, bienvenue à tous sur TV5 Monde. Au programme aujourd'hui, Alibaba a revisité aventure, sagesse, cruauté, manipulation. Nous verrons en quoi ce célèbre conte des mille et une nuits prend tout son sens à l'heure des événements en cours en Méditerranée. Vous entendrez aussi un très grand acteur, un grand acteur égyptien. Mais avant de vous présenter nos trois invités, un visage, celui de la militante syrienne Raza Zeitouni, prix Sakharov 2011, figure de la révolution. Elle a été enlevée en début de semaine à Douma, c'est la banlieue proche de Damas, avec trois autres défenseurs des droits humains, notamment son mari Wael Hamada, ainsi que Samira Khalil et Nazem Al-Hamadi. Tous ont été enlevés par des hommes armés. On la voit sur cette vidéo s'exprimer quelques jours seulement avant son enlèvement. Nos trois invités ce soir dans MOE, Macha Makayev, merci d'être avec nous. Vous êtes metteur en scène du spectacle Alibaba, c'est au Théâtre National de Chaillot à Paris du 20 au 28 décembre, une œuvre que nos téléspectateurs ont pu voir sur TV5 Monde. Elias Sambar, merci d'être avec nous également. Vous êtes historien, écrivain, ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO. Vous avez adapté avec Macha Makayev cette œuvre Alibaba. Et puis avec nous également Amar Waked, bienvenue à vous. Merci. Vous êtes acteur, producteur, vous tournez actuellement dans Lucie, super production de Luc Besson, avec notamment Morgan Freeman, Scarlett Johansson et Choi Min-sik. On parlera aussi de votre précédent film, Winter of Discontent, un film qui nous plonge dans une Égypte en pleine révolution. Et on précise, à Amar Waked, que ce long métrage est en lice pour l'Oscar du meilleur film étranger. On vous souhaite de décrocher la prestigieuse récompense. Macha Makayev, première question, elle est pour vous. Pourquoi avoir choisi ce héros planétaire Alibaba? Alors c'est le spectacle emblématique de mon arrivée à La Criée, en fait. La Criée, ce théâtre national de Marseille. Et je voulais vraiment quelque chose qui a à voir avec le destin, mais surtout qui parle à chacun de nous, c'est-à-dire aux petites filles des quartiers nord qui s'appellent souvent Scheherazade, ces petites princesses là-bas des quartiers nord, et puis aussi évidemment à tous les amoureux de la littérature et ceux qui aiment Borges, qui aiment Proust et qui aiment ce corpus magnifique que sont les nuits. Être choisi comme ça du jour au lendemain pour avoir un destin hors norme, c'est finalement ce qui peut arriver à chacun d'entre nous, à Marseille, oui, partout en Méditerranée. Oui, c'est vrai aussi que, comme par hasard, c'est avec mon arrivée à Marseille, c'est-à-dire que je voulais vraiment que dans ce spectacle, il y ait les bruits du monde et les bruits, la bande-son de cette ville et la problématique aussi d'un grand port de Méditerranée. Et quelque chose, oui, qui a à voir avec le destin. Chacun rêve comme ça d'être désigné par le sort. Évidemment, là, on est dans un registre du conte, donc toute forme de péripétie et d'invraisemblance et beaucoup de violence et beaucoup de sensualité, beaucoup de drôlerie aussi. Alors, on va regarder sans plus attendre un premier extrait d'Alibaba. Alors, le théâtre de La Criée, on précise que vous en êtes la directrice. Hein. On regarde un extrait, « Sésame, ouvre-toi ». Sésame, ouvre-toi. Notamment reconnu le comédien Atman Khelif. Alors Elias Sambar, qu'est-ce qui vous a poussé dans cette belle aventure? Tout d'abord l'amitié, puisque Macha est entré en contact avec moi pour cette belle proposition. Ensuite, le sujet même, car je pense que ce corpus est un immense chantier de liberté. Il laisse toutes les portes ouvertes. Il dit l'érotisme, il dit la sensualité, il dit le rire, il dit l'impertinence, il dit la malice, il dit toutes sortes de choses. Et surtout, il sonne très bien, il a toujours bien sonné, mais il sonne encore mieux aujourd'hui, alors que nous entendons des voix quand même beaucoup plus obscurantistes,
qui, aujourd'hui, quand vous dites que, par exemple, les Arabes peuvent rire, cela étonne beaucoup, beaucoup de gens, ça leur semble une chose absolument incroyable. On a fait toute une émission sur l'humour palestinien, nous, il y a quelques temps. – qui est de l'autodérision, lui, qui est un peu particulier aussi, mais l'humour égyptien, mais tout le monde est dans cette réalité. Et d'autre part, le fait de pouvoir prendre des chemins de traverse, c'est-à-dire c'est un corpus qui est structuré, comme je le disais, il est libre et il laisse du champ. Ça n'est pas un texte sacré, fondamentalement c'est cela, et c'est quand même formidable aujourd'hui, on nous abreuve de grandes sacralités de toutes sortes, d'avoir ce corpus, de pouvoir jouer, de pouvoir un peu s'évader, et surtout il y a le plaisir de travailler ensemble, il n'y a pas que du classicisme arabe dans cette histoire, il y a de l'amitié et le plaisir de travailler avec Macha. Alors on va y revenir bien entendu tout à l'heure avec un autre extrait, Amar Waked, comme Ali Baba, vous connaissez la gloire, la célébrité, ça fait maintenant longtemps, ça provoque de la jalousie, on imagine, ça attise les convoitises, comment vous gérez tout cela ? – Je ne réponds pas, normalement, je comprends que c'est un métier qui peut, dans lequel tu vas avoir des jalousies, tu vas avoir des gens qui t'attaquent… Vous mettez normalement, tout ça de côté. Et normalement, s'il y a quelque chose de vrai dans l'attaque, il faut que je réponde. Mm. Mais quand il est juste des rumors, il ne faut pas répondre. Je pense que c'est la meilleure façon La meilleure façon de traiter cela. Je m'aperçois que vous parlez très bien français finalement, Amar Waked. Alors le désenchantement d'Ali Baba, c'est aussi un peu le désenchantement de nombreux révolutionnaires égyptiens, si l'on peut dire aujourd'hui, qui sont eux aussi devenus des héros, hein, finalement en renversant Hosni Moubarak. Que sont-ils devenus ? Oh, c'est une question énorme. Je ne peux pas la réponse, mais je peux essayer. Quand je vois qu'est-ce qu'on a demandé le 23 janvier 2011, et je regarde qu'est-ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui, je pense qu'on a traversé beaucoup de paliers. De paliers, d'étapes qu'on n'a pas pensé aussi. On a pensé qu'on ne veut pas Moubarak pour une autre présidentielle. Mmh. On a voulu qu'il enlève le loi d'urgence et des choses qui étaient un peu, réformistes, pas révolutionnaires. – Ce n'est pas juste le départ d'un homme, c'est des valeurs que vous demandiez, que vous réclamiez en fait. Exactement. Moi, je trouve que, de toute façon, on est dans le chemin, le bon chemin. On peut pas, tu peux pas, on ne peut pas aujourd'hui tromper le peuple arabe dans son ensemble. Et c'est, il y a des gens qui ont payé de leur vie pour vivre cette situation aujourd'hui en Égypte. Et ce climat aujourd'hui, c'est le plus important. On avait des présidents qui ont décidé des choses et qu'ils n'ont plus des présidents pour ça. On a Moubarak, on a Mohamed Morsi. C'est déjà quelque chose, je trouve. C'est déjà quelques victoires. Il faut qu'on tient beaucoup et ne lâche pas. On va y revenir sur la situation en Égypte. Juste me tourne vers tous les deux, peut-être un long chemin. Comment est-ce que vous vivez, vous, ces révolutions en cours en Méditerranée? On sait qu'à Marseille, Provence 2013, il y a eu beaucoup de documentaires, de reportages projetés dans diverses salles à ce sujet. Vous suivez ça de près, vous, Macha Makaya? Bien sûr qu'on suit ça de près. Et on se dit aussi, quand on a mission de diriger un théâtre dans la grande ville méditerranéenne de France, qu'on doit avoir dans cette mission quelque chose d'exemplaire en termes de liberté artistique, en termes de proposition, en termes d'ouverture, de tolérance, d'intelligence de l'autre. Et voilà, je pense qu'un théâtre doit être aujourd'hui le forum exemplaire de l'intelligence aussi.
Est-ce que vous avez des projets dans ce sens pour encore plus marquer le coup dans votre théâtre ou... Écoutez, les choses se tissent, mais qui ne sont pas simples. Et je ne vais pas faire des grandes annonces, mais c'est vrai que petit à petit se tissent des liens. Mais je sais que de l'autre côté, c'est extrêmement compliqué, que même les artistes, par exemple en Tunisie, je suis en contact avec une troupe tunisienne où ils n'arrivent même plus à répéter. Pas seulement à jouer, mais à répéter. Mais voilà, je pense que ce sont des signaux très forts que nous donnons dans le théâtre, et particulièrement celui de la réjouissance, qui est aujourd'hui peut-être aussi un acte d'insolence, c'est-à-dire rire ensemble, partager, faire la fête, réfléchir évidemment au désenchantement, à la difficulté de vivre, à cette violence aussi du monde, mais aussi répondre aussi par, oui. par la joie d'être ensemble. Mmh. Et évidemment, moi je tiens beaucoup dans ce théâtre à ce qu'il y ait le spectacle et le théâtre et ces pratiques-là, défendues par une troupe d'ailleurs tout à fait avec des gens d'origine très diverse, mais que cela se prolonge par une fête et aussi par une réflexion. C'est-à-dire on a aussi des débats, des réflexions, des universitaires qui viennent parler de cette littérature-là. Mais je crois beaucoup à la force de l'art, la force de la culture, la force de la littérature dans des moments comme ça. – Elia Sambar, même question sur ce qu'on appelle les printemps arabes. Quel est votre regard à ce sujet 3 ans après ?– Je crois qu'il y a eu beaucoup de précipitation dans les conclusions. Mmh. Je crois que tout le monde pense qu'il est soumis à la dictature de conclure, alors que nous sommes dans un processus. Qu'il y aura des hauts et des bas, des avancées et des reculades. C'est loin d'être terminé. Ça peut évoluer vers le pire ou vers le meilleur. C'est des options ouvertes. La liberté ne se donne pas en un an après 40, 50 ans de dictature et de despotisme. Nous sommes en train, en plus, et cela doit intéresser la Terre entière, nous sommes en train d'assister à un changement de monde et pas simplement un changement de conjoncture. Un changement de monde, c'est une chose beaucoup, beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît à la surface des choses. Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi dans le même temps Occupy Wall Street, dont on parlait tout à l'heure avec Amar Waked. Il y a eu beaucoup de mouvements finalement planétaires qui s'inspiraient finalement des printemps. Même parler, puisque notre ami vient d'Égypte, parler des désenchantements en Égypte. Oui, bien sûr qu'il y a des hauts et des bas. Mais par exemple, si on suit le débat aujourd'hui qui est en Égypte, on est époustouflé. Des centaines de débats quotidiens. Tout le monde parle, discute, essaye de voir. Et ça fait partie du mouvement. Ça, c'est pas simplement des espèces d'analyses à côté des choses. C'est du concret, ça, c'est ouais. profondément dans le cours des choses. Donc, il y a cette chose. Et vous savez, nous, quand même, ça fait un siècle qu'on tient tête. Nous, les Palestiniens. On devrait être, être très, très, très désabusés. Mais on tient tête. Et nous savons que la liberté sera au rendez-vous. Mais dans cette durée, nous sommes transformés. Même si le conflit n'a pas été résolu. Nous sommes transformés. Nous sommes passés, par exemple, du nationalisme, qui était la base au début, à une requête existentielle du droit. Au début, nous avions dit nous avons droit à une nationalité. Maintenant, nous disons avant tout, nous avons droit au droit. Donc, tout cela fait partie du mouvement. Et ce qui se passe est douloureux, souvent tragique. La situation syrienne est terrifiante, mais également exemplaire et, je pense, porteur d'espoir. – Alors, porteur d'espoir, justement, le spectacle Ali Baba regorge finalement de festivités et de se vivre ensemble. On va regarder un autre extrait d'Ali Baba au Théâtre National de Chaillot à Paris, on le rappelle, durant ce mois de décembre. Masha Makayev, pourquoi avoir choisi le groupe ABBA ? Écoutez, ça, c'est la fantaisie, la folie, la joie, la liberté d'une salle de répétition, où on essaie, dans un premier temps, avant de régler le spectacle d'une façon extrêmement précise et maniaque, on a vraiment un moment de folie, de rêverie, où tout est possible. Et donc, on s'est arrêté sur cette belle humeur-là.
Après tout, c'est aussi, j'allais dire, la bande-son de Marseille. C'est aussi ce qu'on on entend, ce que j'entends dans cette ville que j'aime profondément. C'est après tout, ce mélange des langues, des sons, des cultures. Et ça, c'est le spectacle, évidemment, est fabriqué avec ce réel-là. – Alors, il y a un autre anachronisme, si l'on peut dire, c'est le téléphone. Ça donne à l'œuvre une dimension contemporaine, c'est ça? Ou l'idée, c'est encore une fois de l'ancrer finalement dans le réel, dans le quotidien, pour attirer le maximum de spectateurs ?– C'est à la fois, c'est plus que ça, c'est-à-dire que cette rêverie poétique qui est au départ d'un spectacle rencontre le réel. Moi, je fabrique toujours les décors, les accessoires, les costumes, toute la part plastique du spectacle avec ce que j'ai sous la main et que je trouve très beau. Et c'est souvent des fragments très fragiles qui font écho à la fragilité des personnages. Donc là, évidemment, ça ressemble à un port méditerranéen et la caverne, par exemple. La caverne, ça n'est jamais qu'un container, parce que quand on est sur le port de Marseille ou dans tout port méditerranéen, on rêve de ces grandes boîtes. Que contiennent-elles, en fait? Il y a une rêverie aussi autour de ça. – Alors, il y a aussi, ça vous tenait beaucoup à cœur, hein, on le précise, on l'a vu, hein, bien entendu, il y a les paroles, mais il y a aussi la danse, il y a la musique, avec des artistes qui viennent d'horizons différents, des disciplines différentes. Elias Sambar, pourquoi est-ce que les contes des mille et une nuits, pourquoi est-ce qu'Ali Baba, ça fascine encore autant aujourd'hui? On rappelle que ça a été traduit d'abord du perse à l'arabe, aujourd'hui, on ne va pas citer toutes les langues dans lesquelles c'est traduit, parce que pratiquement toutes, finalement. Sur la question de traduction, il y a tout un débat d'érudits, parce que les dernières recherches ont montré deux choses formidables d'ailleurs, aux très grandes conséquences, qui est que le texte, on pense tout le temps que le texte a commencé par être oral et qu'ensuite il a été mis par écrit, c'est exactement le contraire. Le texte dans sa première apparition apparaît sous forme écrite et c'est après qu'on le raconte. Ça change beaucoup de choses et ça met à mal beaucoup de clichés sur les Arabes qui sont que dans l'oralité, etc. C'est une forme romanesque. Le manuscrit le plus ancien que nous ayons, il y a des contes venus de Perse mais pas beaucoup, d'autres venus d'Inde, mais le manuscrit le plus ancien que nous ayons vient de Damas. Et des études faites par le professeur Garcin, je crois, à Aix, ont même pu localiser le nom de l'auteur, hein, ou en tout cas l'homme qui a recueilli tous ces contes. Je le disais, ces contes sont un espace de liberté, et surtout ce qui est, comme tous les textes universels, il y a, et c'est cela, là vous posiez la question du téléphone ou d'autres éléments, il est intemporel, c'est-à-dire on n'est pas confiné à le fixer dans une période. Il est en permanence intemporel parce qu'il est universel. Et je crois que ce qui est très beau dans la mise en scène qui a été faite, et on s'est beaucoup amusé d'ailleurs pendant le travail sur le projet du texte, c'est précisément de casser la notion des périodes. C'est-à-dire que les périodes s'interpénètrent en permanence et les spectateurs sont les seuls juges. Ça tient. Ça n'est pas incohérent, cette espèce de chronologie de prime abord incohérente. Elle n'est pas incohérente du tout. Et là encore, je reviens à cette idée, on peut jouer, c'est très ludique, les mille et une nuits, et c'est très très beau. Amal Waked, le destin, il en est question, hein, dans le film dans lequel vous avez joué récemment. Il s'agit de Winter of Discontent, on le rappelle en lice, hein, pour décrocher l'Oscar du meilleur film étranger. C'est un film réalisé par Ibrahim El Batout. Alors c'est l'histoire de trois Égyptiens, Amal, l'activiste, Farah, la journaliste, et puis Adel, l'officier de la sécurité d'État, on va dire police politique entre guillemets. Ça se passe en plein soulèvement Place Tahrir, deux hommes et une femme donc, qui sont chacun impliqués à leur manière dans la révolution égyptienne. Un extrait. مفيش حياة غير اللي بيحصل في التحرير وفي كل شارع في مصر. أنا أخيراً قلت لأ. نزلت الشارع ومش راجعة. ما عادش في مكان للخوف. دي آخر فرصة. إحنا جيل من أول ما اتولد وهو مدان ومتهم. تهدر حقنا وتهنا ومرضنا واحنا في عز شبابنا عزلونا وخوفونا من بعض
احنا عشنا عمرنا اللي فات كله واحنا مكسورين. Alors peut-être un mot d'abord à Marwa Keith sur ce choix. Je ne sais pas si c'est vous qui avez absolument tenu à porter le même prénom dans le film. Vous jouez le rôle d'un activiste, c'est pas innocent ? Non, c'était Brahim. C'était le réalisateur. Ça ne vous a pas dérangé, vous ? Non. Qu'on dise finalement... Il a pris plus proche. Parce qu'il s'appelle Amr comme moi. Alors il est plus accessible, je pense. Alors, la vie de Farah, d'Adel et d'Amar va basculer du jour au lendemain, finalement, comme le destin de tout un pays, l'Égypte. Exactement. Là, les relations entre eux ont changé. Comme toute chose en Égypte, avant la révolution et après, ils sont changés vers le plus humaniste. Et je pense que c'est ça qu'il faut travailler sur la nationalisme qui est contre l'humanité. Ça, il faut enlever. Et comme ça, on peut discuter des choses vraies. Alors, ça ne vous a pas échappé. Je sais que la question va peut-être vous gêner, mais un référendum aura lieu les 14 et 15 janvier en Égypte. C'est les autorités qui ont annoncé ça hier. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez qu'on inscrive noir sur blanc dans le marbre de cette constitution? Ou est-ce que vous dites, moi, je n'attends pas grand-chose finalement de ça et je compte sur le peuple? J'attends pas grand-chose de la constitution. Je trouve qu'il y a des choses plus importantes pour discuter. Et c'est des choses au peuple, pas des choses aux autorités. C'est des choses comment on discute entre nous, comment on respecte les droits des autres, comment on des minorités, des femmes, de tolérance, comment on peut réussir à savoir que la compétition politique, c'est une compétition temporaire. Mais Amar Waked, respectez aussi les partisans des frères musulmans en Égypte, par exemple, qui aujourd'hui sont, disons-le clairement, réprimés, arrêtés. N'importe quoi dans la tête de quelqu'un, sauf les choses dangereuses, comme attaquer les autres, comme prendre des armes et tout ça, je respecte pas. Mais s'il y a quelqu'un qui veut avoir un État islamiste, c'est son droit de chercher quelque chose comme ça. Mais par les chemins, comment on dit, légal, par les chemins… – Pas par la violence. – Pas par la violence, Alors exactement. Précisons que vous êtes actuellement en plein tournage aussi de The Cat, qui parle du trafic d'organes en Égypte, un long métrage réalisé par Ibrahim El Batout. Pourquoi vous avez accepté de tourner là encore avec Ibrahim El Batout? C'est un sujet assez délicat aussi. Je trouvais que la première expérience avec lui était… enrichissante. Oui, elle était vraiment un plaisir de faire ce film, de le voir, de le regarder quand il finit. C'était vraiment proche de l'histoire qu'il a racontée à nous. Et je pense que Ibrahim El Batout, il est un réalisateur très particulier au Moyen-Orient. Il a fait des films pour 5 000 $ et 10 000 $. Il a gagné des grands prix avec. J'ai vu qu'il a besoin d'un producteur avec lui, un producteur qui donne confiance à lui pour faire un film avec un budget comme il faut. Et la première étape était formidable. La deuxième est mieux. Alors la super production de Luc Besson, ça s'appelle Lucie. Ça sera bientôt à voir sur les écrans, pas pour tout de suite. Alors c'est top secret. Vous n'avez pas le droit de vous exprimer sur le film, mais je vais quand même dire que vous êtes donc l'un des acteurs, avec notamment Scarlett Johansson, avec Morgan Freeman notamment. C'est l'histoire d'une femme obligée de jouer les mules et qui acquiert des super pouvoirs lorsque la drogue intègre son organisme. On aura peut-être l'occasion d'en reparler avec vous. Elias Sambar, peut-être un mot sur la suite. Quels sont le programme de l'UNESCO? Est-ce qu'il y a des choses en perspective par rapport à la Méditerranée, des actions par rapport aux événements en cours? Oui, il y a eu cette décision très très belle prise par l'Assemblée générale de l'ONU il y a moins de 2 semaines de déclarer l'année 2014 l'année de la Palestine dans le monde. Donc à notre niveau, nous allons essayer un peu de réagir, bien entendu, sur le plan culturel, avec beaucoup, beaucoup d'activités. Le gros, gros problème demeure l'impact
place des négociations de paix, le fait que la terre est en train un peu d'être retirée. Vous êtes contre les négociations aujourd'hui. Je lisais une interview de vous il y a quelques années, vous disiez, c'est du jamais vu dans l'histoire, un occupant qui négocie avec l'occupé. Moi ? Vous étiez pour Oslo pourtant, non ? Non, 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 j'ai même participé aux négociations. Ah non, non, ça, je ne sais pas si vous m'avez bien lu ou si on m'a bien compris. En tout cas, vous êtes pour les négociations encore aujourd'hui. Ce n'est pas une question d'être pour ou contre. C'est quelle est l'alternative aujourd'hui à la négociation ? C'est un bain de sang. Oui. Ce n'est pas une question de goût de négocier ou de goût de ne pas négocier. Je sais qu'il y a beaucoup de discours sur le fait que c'est la catastrophe, etc. Je ne pense pas que ce soit une catastrophe. Oui. Là encore, moi, contraint, j'ai appris un peu la durée dans la contrainte, parce que la vie nous a coincés dans le temps. Merci. Et nous devons penser à ce qui se transforme vraiment et pas simplement à l'équipe. Merci Elias Sambar, merci Macha Makaev et merci à Wamal Waqed d'avoir participé à Maghreb Orient Express. On se retrouve à dimanche prochain pour un nouveau numéro de MOE. D'ici là, vos réactions, vos commentaires sur les réseaux sociaux. À très vite sur TV5 Monde.